Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, aujourd'hui chez Conga KR. Enchanté mon frère, on est là mon frère et toi, t'es d'où? Ça se passe toujours. Bienvenue, hein, tu connais, hein, bienvenue merci, dans la zone, hein, bienvenue dans le 14e, hein, Pernetti. Tu connais, ça bouge pas, on est là mon frère. C'est ça, Pernetti, Paris-Sud, ouais, Pernetti, Paris-Sud, tu connais. Là t'es dans un coin du 14, un coin où j'ai grandi, tout ça. Là t'es à Pernetti, au métro, puis voilà. Bon, avant tout, je te laisse te présenter, frérot. Moi, tu connais KR Malson, rappeur du 14, hein, 14e, Paris-Sud. On rappe depuis un certain nombre d'années, depuis très longtemps. Ouais, de quel côté de Pernetti, du coup c'est... Là, t'es au métro. Hein. Métro ici. Ouais, ouais, là, t'es au métro. Hein. Là, c'est le métro Pernetti, tu connais, pile. Il y a des trucs un peu qui se sont passés, des clips. Ouais, là, il y a eu des petits clips de fait ici. Tu connais, j'ai un clip qui a été fait là, hashtag Paris-Sud. Avec peut-être les garçons un peu, tout ça. J'ai beaucoup clippé. Hein. De toute façon, tu vas voir, je vais te faire le tour de la zone un peu. Je vais te montrer un peu des endroits, tout ça. Mais ouais, ça a clippé ici. Ici, pile. Et puis voilà. Il y a qui d'autre comme rappeur même qui vient d'ici de Pernetti? Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, mon frère. Hein. Il y en a beaucoup, mais je vais te les présenter, je vais te les montrer. On va faire le tour un peu. Je vais te les montrer un peu, t'inquiète. Mais il y en a. On est beaucoup dans le 14e. Il y a beaucoup de rappeurs, t'as capté. Énormément de rappeurs. T'as fait des feats un peu avec des gars du 14? Ouais, fort. Fort, fort. J'en ai fait. Avec Costa. Avec Dama, mais il n'est pas sorti. Avec Alpha One. J'en ai fait d'autres aussi. Avec le Moulin Qualité, mon groupe à l'ancienne. Justement, pas, j'en ai fait avec les frérots du 14e. Justement, le feat avec Alpha One, c'est là que je voulais en venir. Hein, c'est-à-dire, comment s'est fait la connexion? Tu voulais voir ça? C'est ça que tu voulais? T'as capté, c'était pour non, ça. Non, le feat, mon ref, avec Alpha, c'est normal. Hein, j'ai envie de te dire, hein, ma gueule. Il vient d'ici, il vient du 14, des colonnes un peu plus loin que je te montrerai après. Comment dirais-je? Ça s'est fait naturellement, ma gueule. Tu vois, c'est, vu que c'est un mec d'ici, de chez nous. Bah, ça s'est fait naturellement, tu vois. Il vient d'ici, je viens d'ici, on se connaît depuis longtemps. Je lui ai demandé s'il pouvait venir faire une petite apparition dans le projet. Il a dit oui direct. La base, logique, tu vois. Il a bien pris celui-là. Ouais, fort. Bah, ça, ouais, ça, on va dire que c'est un de mes sons les plus, si ce n'est le plus, t'as capté, le plus streamé, etc. Ouais, il a bien pris, franchement, il a bien marché, je suis content. Et puis voilà, hein, c'est charmé, ça fait plaisir. Big Alpha One. Ceinture le maintien bien en place. Mon pantalon ne va pas. J'ai technique flow. Derrière, y'a la méthode. Maîtrise le jeu d'épaule. C'est comment, gros? Toi, t'as commencé comment de base la musique? Ça fait combien de temps? Moi, c'était quoi qui t'a donné envie? Ma gueule, je te mens pas. Le son, j'ai commencé ça il y a longtemps. Hein, j'ai commencé à, je sais pas, j'ai commencé à écrire à 12 ans, 13 ans. J'étais au collège, ma gueule, je te mens pas. Tu connais, ma gueule, je kiffais le rap de base. J'écoutais du son, tout ça, plus jeune, tout ça. Depuis que je suis tout petit, j'écoute du son. Et frère, après, on a entendu les gens du quartier, même d'ici le 14, qui rappaient, tout ça. Et on s'est dit pourquoi pas nous, ma gueule. On s'est dit pourquoi pas nous, et puis on a fait ça, tu vois. C'est et on a commencé comme ça. C'était comment, on va dire, par exemple, à tes débuts, le rap dans le 14e? Il y avait un peu. Il y avait du monde, j'imagine, qui rappait. Il y avait du monde, il y avait les anciens, les. Ouais, même dans Forêt. Parce que, oh, il y avait les anciens, il y avait les. Il y avait des potes à moi même qui rappaient déjà. Ouais, ça s'est fait naturellement, je te mens pas, le 14e, ma gueule, ça rappe. Grand, petit, t'as capté, ça rappe de partout, ma gueule, dans ce quartier. Ça veut dire, c'est venu naturellement, ma gueule, j'ai envie de te dire. Parce qu'en vrai, c'est pas l'arrondissement qu'on entend le plus. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai. En plus, le 14e, c'est pas trop médiatisé au niveau du rap, tout ça. C'est parce que, je sais pas, tu connais peut-être on n'a pas réussi encore à sortir au grand public, tu vois, ou pas. Si, Alpha One, quand même, il a réussi à faire un peu parler du 14. Mais on pense pas direct qu'il vient du 14. Ouais, t'as capté. C'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant, mais si t'écoutes bien sa musique, ses textes, il te le dit, tu vois. Mais après, vu qu'Alpha One, c'est plus un rap underground, tout ça, un rap vraiment précis, t'as capté, c'est pas au grand public, peut-être que les gens, ils ont pas capté tout ça, mais bon, tu connais, sinon, on sera là, on va être là pour faire parler du 14, t'as capté. On va être là. Voilà. Ouais, là, tu rentres dans la jungle. C'est ça. Il y a des trucs un peu ici ou quoi? Ici, t'es au MDL, hein, là, je t'emmène au terrain du Moulin des Lapins, ma gueule, je te mens pas, t'as vu, c'est la faune et la flore, ma gueule, t'as vu, il y a des feuillages, des trucs, au moins c'est bien, t'as vu que là il pleut, tu vois, tu te reçois pas trop les gouttes de pluie. Ouais. Mais ouais, il s'est passé des trucs ici, il y a eu des clips, tout ça, t'as à l'ancienne, avec mon groupe Moulin Qualité, t'as vu, parce que je t'ai dit, comme je t'ai dit tout à l'heure, je faisais partie d'un collectif, t'as vu, Moulin Qualité, c'est des gens de la zone, du 14, on s'est réunis, parce que t'as vu, ici c'est le Moulin des Lapins, moi je viens du Moulin de la Vierge de base, les gens ils rappaient de ces deux quartiers-là, et du coup. On a décidé de se rejoindre pour faire un genre de collectif qui s'appelle Moulin Qualité, tu vois. Et d'ailleurs, là, tu vas voir un refrain qui vient de ce collectif-là, tu vois. Costa, aïe, mon frérot, comme jamais. Ça va, mon frère? C'est doux. Comment? Tu vas pousser alors? C'est doux. Ouais, ça fait du son et tout dans la zone. Hein, comme KR a dû. T'as capté, hein? Ouais, fort. Et bah, Costa, artiste du monde Moulin Qualité, je te disais, t'as à l'ancienne. On s'est réunis, on a décidé de faire un collectif et puis ça rappe depuis. Il est plus vieux que moi, t'as capté. Il rappe avant moi. Et c'est une des personnes qui m'a fait, tu vois,
qui a fait kiffer, qui a fait donner envie de rapper, tout ça, t'as capté. Donc voilà. C'est sûr, dans le collectif, vous étiez combien au total? À la base, on était 6. Ouais, on était 6. Ouais, c'est ça. On a fini à 4. Hein. À 4. Ouais, on était 6, on a fini à 4. Ouais, avec le gym. Ouais, c'était ça. Jim, Silex, on était moi, il y avait KR, il y avait Proly, il y avait Fâché quand on a commencé. Après, Proly et Fâché, ils ont arrêté. Après, on est resté à 4. Moulin Qualité. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. C'était il y a combien de temps même, c'était la jeunesse, tu connais, c'était tout ça, c'était il y a 10 ans de ça, je t'apprends de ça. On a commencé le rap déjà il y a 15 ans de ça. Ouais, c'était c'est laquelle, il rappe depuis plus que 15 ans, KR, je crois. Si je te parle en année de rap cumulée, tu vois, c'est laquelle. Il a commencé, il rappait sur le boom bap, tu vois ou pas? Les années 1992. C'est laquelle, vraiment. Ah, c'est réel, c'est réel. À l'époque. Ça rappe depuis. Il a commencé il y a très longtemps. C'est-à-dire, il a l'expérience, le recul de la musique, tu vois, c'est laquelle ou pas? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération un peu qui rappe ici? Bien sûr, il y a une nouvelle génération. Les petits, ils sont chauds bouillants. Ils sont chauds bouillants. Tu vas écouter, il y a SD, il y a la Stup. Je sais pas s'ils sont là tout à l'heure. On va aller faire un tour. Normalement, ils sont là. Je vais te les présenter aussi. Dans le 14e, c'est un nid de rappeur, tu vois. T'as capté ce que je te disais tout à l'heure, carrément. Il y avait une association ici qui permettait de rapper gratuitement. C'est-à-dire que tu pouvais venir et nous, on allait, on posait gratuit. Ça, c'était du jamais vu, t'as vu. Il faut payer les séances de studio, c'est 25 euros, 50 euros. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Hein. Tu vois, c'est pas tout le monde. Nous, on nous disait, venez rapper, c'est gratuit. C'est-à-dire, ça, avec les générations, ça a formé un genre de truc qui fait que tout le monde rappe maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est le premier truc accessible. C'est t'es petit, tu traînes. Ah bah viens, on va au Cépige, ça s'appelle le Cépige. Viens, on va rapper, viens, on va prendre un café, c'est gratuit là-bas. Viens, on va prendre un thé. Ça réunit les gens, ça fait qu'on rappe. Tiens, Odim, il est bien d'arriver. Voilà, pour la qualité, le frérot. Pour la qualité, il est dedans, il rappe. Ingénieur du son, hein. Disque d'or impliqué 140. Ah, bien le souvenir. Raconte un peu, t'as fait quoi alors? Bah moi c'est à peu près la même histoire qu'eux, hein. On a commencé dans l'association là, le Cépige. Exactement. Et on a tous commencé par rapper. C'était à l'époque en plus, c'était il y a quoi, 15 ans. On écoutait nos sons dans des petits MP3. T'as vu tout ce que je te dis, vient d'arriver. T'as hein, capté. C'est exactement ça, Cépige, il y a 15 ans de ça. C'est ça, on est des anciens. Après moi le Cépige c'était quoi? En gros, moi, quand j'ai fait mes études, j'ai eu mon bac. Moi, de base, j'étais en chimie. Je devais finir chimiste. Il n'y a rien à voir. Parce que moi, j'enregistrais un peu là-bas. T'as vu, ça m'intéressait de ouf. Il n'y avait pas de réel ingénieur du son. Nous, on avait une cabine. C'était de la merde. T'as vu, genre, l'interphone, il sonnait. T'es fou, c'était une dinguerie, ma gueule. Ton son, t'es fou. T'as vu ou pas, c'était une dinguerie de fou. L'interphone, il sonnait. T'entendais l'interphone dans ton son. T'as capté ou pas? Tu vois le délire ou pas? Ah, laisse tomber, ma gueule. Mais vas-y, tu connais, à l'époque, frère, tout le monde n'avait pas accès à ça. Ça veut dire, nous, on était archi privilégiés, tu vois quoi. Et ça veut dire, moi, j'allais. Vas-y, je kiffais, je tâtonnais jusqu'à on a grandi, j'ai eu mon bac. Après, le directeur m'a proposé de faire un stage dans un truc de DJ beatmaking, c'est K-School. Et aujourd'hui, c'est un des plus grandes écoles de DJ. Truc, alors que c'est un ancien du Cépige aussi, tu vois, ils l'ont aidé à monter son truc, tout ça. Hakim, excellent. Hakim. Et bref, moi j'ai fait ma formation, tout ça. Après, quand je suis parti, quand j'ai fini ça, genre ils voulaient ouvrir un Cépige, comme ça qui s'appelle l'association, à Colombes. Avec mon gars Caïs là qui aujourd'hui est multidisque de platine, multidisque de 50K, qui est au studio 50K là, le studio bien réputé là, et il est là-bas, il bosse, c'est tueur. Tueur. Et bref, ils nous ont proposé de s'occuper de là-bas et en contrepartie, nous, genre, ils nous payaient l'école d'ingé son. L'association nous a aidé de fou, hein, le Cépige, là, Olivier, merci beaucoup. Big Cépige, gazé de Cépige, ma gueule. Le Cépige, ma gueule, ça bouge pas. Et donc après, nous, on est partis là-bas, et là-bas, c'est là-bas, on a rencontré Captain Roshi. On a la. Ouais, c'est ça. Ouais, fort, à fond. Ouais, grâce au Cépige, ça, on avait rencontré Roshi, Alpha du Cépige aussi, fort. Il sort de là, Nekfeu, ça l'a vu au Cépige. Bien sûr, bien sûr. Gizmo, ça l'a vu au Cépige. Ça a vu les mecs de 40 000 gangs là, tu vois, 9-2-8, tout ça. Le Cépige à Colombes, ils étaient là-bas. Dans les premières générations de mecs qui ont pété, tu vois, ils passaient au Cépige, ils connaissaient. Le Cépige, c'est là-bas, vraiment où tout ça. Ouais, c'est la base, t'as vu, c'est là où tout le monde a à peu près a commencé, ma gueule. Ouais, je pense aussi. Ça rappait gratuit, les mecs, ils voulaient même pas faire de musique. Les grands, les petits. Tout le monde venait au Cépige, t'as vu, c'était vraiment le coin de rassemblement pour rapper, t'as capté, pour s'exprimer. Il faisait des freestyles, Après nous, ça nous chauffait aussi, tu vois. Pour les jeunes, il n'y avait pas de truc qui nous rassemble pour aller faire du sport ou pour aller faire des activités, pour aller faire des trucs comme ça. Pourtant, on est à Paris, hein. Cépige, tu vois. On est à Paris, mais il n'y avait pas trop de... C'est étonnant que dans le 14e, en plus, il n'y a pas... Ma gueule, ouais, mais il ne faut pas se faire aux apparences, ma gueule, t'as capté. C'est pareil, finalement, tu vois, que tu sois dans le 14e, dans le...
dans le 9-3, c'est dans la, 9-2, les mecs qui pareil. Vivent la même merde, tu vois ce que je veux dire. C'est juste nous, on n'a pas d'argent dans un endroit où, c'est où beau. Autour de nous c'est beau. Tu vois t'as ce capté, que c'est joli, c'est beau. Mais finalement, mon compte, il est comme cher, celui d'un mec dans le 9-3. Ou dans... Justement, c'est ce que les gens ils ont tendance à croire, c'est qu'ici tout le monde est riche, tout le monde a des sous. Ah, c'est pas ça, il va te montrer le foyer après. Détrompez-vous, détrompez-vous. Tu vas voir les rats, des rats de par terre. Voilà, c'est du ratatouille, tu vois le Disney ou pas, il est tourné sur Paris celui-là. Mais oui. Voilà, c'est réel, c'est réel. Donc ouais, grâce aux épices, on a fait beaucoup et aujourd'hui, Dieu merci, on est là. Il y a du résultat. Et voilà, et maintenant on soutient notre frère OKR. Bouge pas, il va percer, il va nous. On va percer, tu connais, on est ensemble. Tu vois, c'est la gueule ou pas. Bouge pas, ouais, c'était fou. Mais Chocho en ce moment, il envoie de la saleté. On essaye, on essaye. De très près, on essaye. On est avec lui. En tout cas, merci KR. Tu connais, c'est la MIF, hein. C'est la MIF, Moulin Qualité. C'est dès le début, ma gueule. T'as vu, on a quasiment grandi ensemble. On se connaît depuis tout jeune. C'est ça, c'est ça. Tout a commencé, Moulin Qualité, Cépige, tout a commencé très jeune, t'as capté. Et après voilà, au final on est là. Hein. Là on est au MDL, hein, Moulin des Lapins, frère, on est sur la place carrément. Tiens, viens voir là, tu connais là, c'est la place du Moulin des Lapins. Au MDL plus précisément, t'as vu. Et voilà, c'est un des coins du 14, un des coins de la zone. J'imagine ça a clippé ici de toute façon. Tac, 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 est-ce que j'ai clippé? Moi personnellement, j'ai pas clippé ici. Ça a clippé au terrain, on est passé devant là, c'est derrière tout ça là, j'ai clippé là-bas là. Mais moi personnellement, j'ai pas clippé ici même, t'as vu. Là t'es sur l'allée du Moulin des Lapins, du MDL, t'as capté. T'es sur l'allée, t'as vu. Tout le monde se connaît de toute façon, c'est une des zones, moi j'habite pas là, tu vois, de base, mais c'est la maison, tu vois, c'est pareil, tu vois, j'ai grandi juste derrière moi à côté, mais c'est la maison, tu vois. C'est là où on a rencontré les gens, les humains. C'est un petit village ici. C'est un petit village, le 14 c'est un petit village, tu vois, tout le monde se connaît ma gueule. C'est un petit village bien, pépère. Et tu vois là, par exemple, le frérot là qui parle avec Odim, tu vois, on te l'a présenté tout à l'heure avec Odim. Présente-le nous. Ben, c'est Caïs, tu vois. C'est Caïs carrément, il est là, frérot, ça alors, bouge pas. Ça dit quoi? On est là, enchanté, ça dit quoi mon vieux? On est là, hein. Vas-y, mais je te laisse te présenter un petit peu. Le ouais. Bigingé, le Bigingé. RNF, tu connais RNF Caïs, un GSI 50K. C'est ça. Voilà. Un GSI 50K, ouais, Moulin Qualité. Ouais, Moulin Qualité, tu vois, ouais. Le collectif qu'on te parlait de base avec plusieurs rappeurs, lui c'était Lingé avec Odim. Mais Odim il rappe aussi, tu vois, alors que Caïs il rappe pas, tu vois, ouais, vraiment Lingé. T'as capté? C'est lui qui mettait la coupe voilà. Dans la cabine, t'as capté? Ouais. C'est lui qui faisait ça bien. C'est dire au 54, t'as dû voir du monde un peu. Ouais, t'as bossé avec qui un peu là-bas? Ça fait 6 ans que je suis là-bas, j'ai bossé avec Gazo, Timal, Daisy, Nahir, Yvick, Mr. Vip. Il y a plein qui sont passés de temps en temps, tu vois, ouais, des featuring ou quoi. Ça veut dire quoi, Mister You, Rimka, et plein de. Un peu tout le monde en vrai, on va dire. Avec les feats, les trucs. Est-ce qu'il y a un son que t'as enregistré là-bas que t'as particulièrement bien aimé? Trois fois filtré. Ah, c'était toi qui l'avais fait du coup ouais. Ma gueule, tu parles avec un multi-certifié là, ma gueule. La vie de ma mère. Après, quoi, il y a truc de choses, Franck et Gadur. Ouais. Choses. Putain, il en passe, mon gars, il y en a. J'en ai plein, mais là, je sais pas en tête. Là. Les Dahuzi. Ouais, plein de sons de DA. Énormément de Dahuzi. Tous ces projets depuis Mexico. Depuis la dernière personne, je passe avec DA. Allez voir ses plugs sur Insta, vous allez voir un peu. C'est bien. Toi, t'as enregistré là-bas un peu ou quoi, Caïs? Au 54, fort. J'ai enregistré avec Caïs, ouais. Hein, à fond. Ouais, bien sûr. Ça fait grave longtemps qu'on bosse ensemble. Ouais, ben, depuis, je t'ai dit, depuis Moulin Qualité, depuis bien jeune. On se connaît depuis qu'on est tout petit, ma gueule. Vas-y, c'est logique carrément, t'as capté? Ouais. C'est logique, tu vois. Ça bouge pas. Au 50K, j'y suis passé plein de fois. C'est tout le monde. Ouais, tout le monde est allé au moins une fois là-bas, ouais, fort. À fond, c'est, à fond. C'est un gros studio avec à l'époque, quand ils faisaient le projet Game Over et tout. Il y avait grave d'engouement, ça a dû grave d'artistes. C'est là carrément que ça, un peu le 50K, ça. Ouais, bah c'est ouais. Un grâce à tous ces artistes, tout ça. Ouais, ouais fort. Aussi. Là, ma gueule, on est au MDL. Là, je t'emmène à la Cité de l'Heure. Hein. Tu mens pas, là, bah là, t'es Cité de l'Heure. Là, tu vois ici. Là, c'est là où je suis né, on va dire. Là, je suis né, moi je suis un enfant du 14, t'as capté, je suis né dans le 14. Et j'ai grandi là, t'as capté, c'était de l'heure. Toi, gentiment. Ça veut dire que ça a changé un peu depuis que t'es enfant, on va dire, ici. Oui et non, tu connais, il y a des commerces, peut-être ils ont changé un peu, mais sinon... C'est toujours un peu pareil, hein. Peut-être ils ont mis des barrières à droite à gauche, mais sinon c'est pareil. Il a les clés, tu connais lui, il a les clés de partout ma gueule. Il a les clés du 14, t'as capté, il va partout ma gueule, regardez au bas. Et justement, c'est comment le 14? Ça se mélange un peu avec le 14e. Le 14e, c'est chacun de son côté, c'est comment? Non, 14e, tout le monde se connaît. Après, aller dire que ça se mélange, peut-être pas, mais tout le monde se connaît en tout cas. Tout le monde se connaît dans le 14. Et s'il faut aller à Port-de-Vent, va à Port d'Orléans,
Si t'es Dido, ça va aller, tu vois. Tout le monde se connaît, ma gueule. Après, bon, comme dans tous les quartiers, tu vois, tout le monde a ses potes, tout le monde a son équipe, ses équipes, tu vois. Mais en vrai de vrai, le 14e, tout le monde se connaît, ça peut se retrouver à n'importe quel endroit, ça bouge pas, tu vois. En vrai de vrai, ça bouge pas. C'est carré. Bon, je sais que chaque arrondissement, ils sont différents, ils parlent pas pareil. Par exemple, je sais que, est-ce que ici dans le 14, il y a des expressions différentes d'ailleurs ? Ma gueule. Je sais que dans le 18e, ça va pas parler pareil. T'as vu chez nous ? Chez nous, ça parle en Cafas, en Pardi, en Mouchel. Là, je te dis des mots, là, tu sais pas ce que ça veut dire, t'as capté ? Non, Cafa, ça parle en... On a notre expression vraiment distincte de d'autres zones, de d'autres quartiers. Non, un mec du 14, tu le reconnais, hein, comment il va parler. Les Cafas, ça veut dire en mode, ça dit quoi ? Tu vas bien, nanani, c'est quoi le délire ? C'est Cafas, t'as capté ? Mouchel, ça veut dire attention, t'as capté ? On a vraiment notre manière de parler atypique. Tu sais reconnaître normalement un mec du 14 qui parle, tu vois. On parle en macouille, on parle en... En mon cousin, t'as gâté ou pas? Je vais te dire la vérité, un peu comme les gitans, parce qu'il y a une communauté de gitans, tu vois, qui est dans la zone. Et on ça a un peu déteint sur le quartier. Et c'est comme ça qu'on parle, tu vois, chez nous. Tu peux voir un peu notre manière de parler comme ça. Bah là, t'es rue de l'Heure, là où j'ai grandi quand j'étais petit, tu vois, ou pas? C'est ça. Et là, c'est ici, hein. C'est ici carrément. Bon, même question de partout, il y a des clips ici, un peu. Ouais, ici, j'ai un clip, là, carrément, sortez les guitares, que j'ai tourné juste ici, là. La pile là, derrière là, bah tu vas voir le petit, ouais. Va ouvrir là carrément là. Allez-y les garçons, je vous en prie les gars. Après vous les frères. Bon du coup, sortez les guitares ici, t'as fait ? Ouais, j'ai fait sortir les guitares. J'avais fait un son aussi à l'ancienne quand j'avais commencé ma série de freestyle. Série malsaine, freestyle malsain, j'avais fait le DS3 ici. Il y a longtemps hein, je te parle de ça. Et puis voilà, tu connais, hein. Ça bouge pas là, c'est... C'est la maison, ma gueule. Même Costa il a clippé ici. Franchement, il y a beaucoup de monde qui ont clippé ici. Hein. Ouais, du lundi au lundi, Costa il a clippé ici aussi, ouais, carrément. Voilà, hein, c'est la maison, hein, c'était de l'heure. Hein, tu vois. C'est de l'heure. Là, je vais te montrer, il y a un petit refrain, bon, qui est un peu petit, qui a grandi, tu vois, il est grand maintenant, mais un petit refrain qui va venir là, il va se présenter, tu vois. Qui vient d'ici aussi, qui rappe, tout ça, du 14. Comment il s'appelle ? Dams. Dams. C'est mon gars. Que c'est nous les plus forts, donc reviens si t'as bossé. Tous mes frères sont condamnés, j'encaisse pire sur le chantier. J'ai un doigt sur la musique et une Rolex au poignet. Là, c'était de l'heure, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois. On a grandi ici, on est né ici carrément. Moi, je suis né ici personnellement. On a grandi ici, 14e. Voilà, là, t'as un rappeur de longue date, Dams. Il est là comme jamais. Présente-toi un petit peu frérot, ça fait combien de temps que tu rappes ? Dams, artiste indépendant du 14e. J'ai commencé, j'avais 10 ans. Là j'en ai 24. Et voilà. On est avec les frérots, on a du même quartier, on a collaboré plusieurs fois ensemble. Ouais. Et c'est jamais pépite. Sorti. C'est la pépite ça. Vas-y là on va commencer à envoyer là à partir du mois prochain, si tout se passe bien. Fort, il a beaucoup de clips sur YouTube. T'as des clips déjà un peu. Bien sûr, wesh. Ça veut dire gros, titre, t'as commencé à 10 ans et t'as commencé presque en même temps que lui, pourtant vous n'êtes pas de la même génération. C'est ça l'histoire, hein. Ma gueule, qu'on voyait sur eux, en fait. Ma gueule, je te dis, j'ai commencé à 12-13 ans, frère, et il a commencé à 10 ans, on a quasiment les mêmes années de rap. Je te dis, le 14e, t'as vu, le 14e, c'est vraiment un quartier, un arrondissement de il y a beaucoup de gens qui ont fait du rap, ma gueule. Grand, petit, ce que tu veux, donc ça veut dire, ma gueule... Il a un don pour ça, il écrit depuis, il a kiffé, il s'est mis dedans, ma gueule, tu vois. Logique, tu vois, c'est logique. Non, ouais. C'est quand vous allez sortir vraiment le premier feat ensemble ? Ce sera sur le premier feat. C'est sur ton projet ou le mien d'abord ? Je sais pas si. Toi, il va sortir avant moi. Ouais, il va sortir avant. Bah alors, ce sera sur son projet. Le premier feat vraiment officiel, il va sortir sur son projet. Mais moi, je le réserve pour l'album. Et pour mon album que je vais sortir, bon, pas tout de suite, là, il y a un petit truc qui va sortir avant. Mais il sera sur mon album fort, obligé, obligation. On va en parler de tes projets, ouais. Mais d'abord le tien, c'est quoi tu vas sortir un album, un truc ? Non, une mixtape, 12 titres. Et c'est le premier. Je veux dire là, avant même, je dois balancer plusieurs clips parce que j'ai pas été assez constant, on va dire. Mais là, ça veut dire je reviens bien. J'ai des clips de côté et tout, donc... Armé. Il a armé. Okay. Il a armé. Là, carrément, mon ref, on est rue Pernetti. T'as vu, on a fait Cité de l'Heure, Moulin des Lapins. Là, on est rue Pernetti et on est au grec du quartier. Hein. Au grec de la zone. Hein. C'est quoi ta commande au grec, toi, d'habitude ? Moi, ma commande, je te mens pas, c'est grec veau normal, bien grillé, parce que moi, j'aime pas quand la viande, elle est trop blanche. Bien grillé, bien cuit, mayo, samouraï, salade, fromage. Voilà, pas plus, pas moins, classique, tranquille. Le boss, enfin le semi-boss.
Parce qu'il y a le daron quand même, mais c'est le boss. Mais c'est le boss. Ça va ou quoi? Tu connais le grec de la zone, hein? Le grec de la zone, hein? Le ref, il est là, il sert ça tous les jours. Faut bien. C'est, tu manges bien, t'es bien. Tu viens ici, rue Pernetti, tu viens là, tu manges bien. C'est quoi le meilleur commande à faire ici? Grec normal, frère. Grec normal, ça. C'est ce qu'il y a de classique chez nous. T'es dit grec normal, y a pas mieux. Grec normal, ça. C'est ce qu'il faut. Eh, vous êtes pas trop tacos à Paname, vous. Non, tu connais, nous, on est plus dans les Grecs. Tacos, c'est plus, j'ai remarqué, c'est beaucoup la banlieue. Hein. Ouais, beaucoup la banlieue. Lyon, ah ouais, Lyon aussi. Ouais, Lyon. Ouais, Lyon, ouais, c'est vrai qu'ils sont bien branchés sur les tacos. Non, ici, c'est grec normal, c'est le ref, ça bouge pas. Tu viens ici, tu manges bien, t'es refait. C'est carrément. Bah là, carrément, t'es chez Rachid. Hein. Chez Rachid, hein. L'épicerie, viens rentrer, hein, carrément. T'es chez Rachid. Il y a eu du clip ici. Là. Il y a eu du clip, j'ai entendu. Ouais, là, il y a eu du clip. Il y a un tas de gens, ils ont clippé ici. Là, t'as les boss. Mais après, bon, tu flouteras leur visage, mais t'as les boss. Et puis voilà, t'as l'épicerie de la zone. Hein. Chez Rachid, là, tu peux prendre tout ce que t'as besoin. Tu prends gâteau, alcool, canette. Bouteille, tu prends tout ce que tu veux pour se ressourcer, tu viens là, t'as capté. Quel clip ici, ça veut dire Quel clip, ma gueule, des Malsains d'IS4. Franchement, récent, j'en ai pas, mais j'ai des dans ma série que j'avais fait, Freestyle Malsain, j'avais fait Malsains d'IS4, tu vois, à l'angle ici et devant ici, hein, t'as capté. Tu vois. Et puis voilà, hein, c'est l'épicerie du quartier, cher Rachid. Tu viens ici, tous les jours, sauf le lundi, tous les jours, tu viens, boum, tu prends ce que t'as besoin, tu pars. Mon ref, là, carrément, t'es sous le Porsche. T'es sous le Porsche, je te recheck SD. Avec mon frérot SD, comme jamais. De toute façon, je vais te laisser, il va se présenter. Il est là, voilà, t'es sous le Porsche là, carrément là. Présente-toi un petit peu. Moi, je te recheck. C'est là ton secteur alors? C'est partout son secteur. Partout, hein. C'est partout son secteur, wesh. C'est partout, carrément, regarde, tu vois la collade. C'est son ingé. J'ai dit, Kaïs, il est partout, il est dans tous les tableaux, Kaïs. Il est dans. Il est dans tous les tableaux. C'est comment SD? Il y a combien de clips qui sont sortis? Il y a combien de trucs? Là, je crois, j'en ai fait 8. Là. Ouais, 8. C'est mon 8ème. J'en ai sorti un hier. Y'a des bolos à faire kiffer, 4 boulettes achetées, la 5ème est donnée. Je suis pas content de cadeaux, en vrai rien est donné. Mais ça remet demain pour aller barber, je suis dans tout ce qui rapporte. Mais ce qui rapporte, c'est la jipette et le doré. Je suis avec la gratte et le F, mes associés. Le reste, je vous oublie pas, restez impliqué, je suis resté vrai de vrai. Ça va, il a bien pris celui-là ou quoi? Là, je viens de le balancer, je sais pas, j'ai même pas vu. C'est la cahier, ouais, mon frère, il sort seulement, il voit, il balance seulement. Y'a eu des feats entre vous un peu ou quoi? Non, mais. Faut pas te dire comme ça, ça arrive. Non, ça va arriver fort. Ça va arriver à fond. Tu connais SD, c'est la MIF, ça bouge pas, ça va arriver là. Là, incessamment sur côté. Ça va arriver. Bon, je sais que lui, il a clippé ici, mais toi, est-ce que t'as clippé là? Oui! Bah oui, j'ai clippé ici. Bah oui, wesh, plein de fois. Tu connais, on a clippé, on a beaucoup clippé. Ma gueule, je vais te dire la vérité. Hein. J'ai clippé à beaucoup d'endroits de la zone. Je te mens pas, j'ai clippé dans beaucoup d'endroits de la zone, dont celui-là où on était là comme jamais, et puis voilà. Et puis là maintenant il y a les frères qui sont là comme jamais, il envoie du son sale, il envoie la purée ma gueule et puis c'est ça ma gueule. Je t'ai dit, grand, petit, moyen, tout ce que tu veux ça rappe ma gueule, c'est dans la culture d'ici, de chez nous tu vois. Il a un talent pour faire ça, il est en train d'envoyer, il est dans une bonne cadence, c'est ça ma gueule, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelle partie du 14e ici? Ici t'es, ma gueule, ici t'es Pernetti Plaisance, hein. Ouais. Pernetti Plaisance, hein. T'es vraiment entre Pernetti et Plaisance, t'as capté? Le sous le Porsche, et t'es vraiment dans l'axe de. Hein, t'es vraiment dans l'axe. Là, t'es au centre de la zone. T'as capté ou pas? Là, on était un peu vers le haut là-bas, la cité de l'heure, Moulin des Lapins. Là, t'es un peu plus en bas. T'as capté Moulin de la Vierge, sous les halls, les colonnes. C'est ici. Hein. Toi, SD, t'as commencé quand, toi? Il y a un an. Un an, ouais? Après, ouais, il y a un an. Je te présentais le frérot SD là qui rappe là. Et voilà ma gueule. Hein. Ça veut dire, il y a quoi de différent dans le 14e aussi? Qu'un truc que tu ne retrouverais pas ailleurs? Un truc que vraiment, tu le vois, tu sais, t'es dans le 14e. Franchement, je vais te dire la manière de parler, ma gueule. Hein. Ouais. La manière de parler, les endroits. T'as vu, il y a beaucoup de parcs ici un peu, tu vois. Il y a beaucoup de parcs ici. Bon, après, tu vas me dire comme dans Paris, mais c'est surtout la manière de parler, t'as vu. Chez nous, on a une manière de parler. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on parle en macouille, en cafasse, en mouchel. D'ailleurs, on parle vraiment. On a une manière de parler qui nous différencie beaucoup des autres zones. T'as capté ou pas? C'est comme ça, je pense, que tu peux reconnaître vraiment le 14e, t'as vu. Après,
comment je pourrais te dire ça? Ouais, non, c'est ça. Hein. En vrai, c'est ça. Hein. Après, 14e, tu vois, c'est... Comme je te dis, petit village, ça bouge pas, on est ensemble, tout le monde se connaît. C'est vraiment là, je pense, c'est là où tu reconnais vraiment 14e, c'est dans la manière de parler, ma gueule. Vraiment dans la manière de parler. Il y a un frérot derrière, il m'a dit, ça a beaucoup changé par contre tout ça. Là. Avant, il n'y avait pas autant de trucs, terrain vague, machin et tout. Bah, ça a beaucoup changé un peu parce qu'il y a eu des travaux, il y a eu des trucs, tout ça. Le bat, il n'était pas comme ça. T'as vu, le bat là, ouais. Il est neuf. Mais avant, le bat, il n'était pas comme ça, tu vois. Bilou, c'est comment mon frère, tout doux? Ça a un peu changé, tu vois. Comme je te disais, le bat, il n'était pas neuf comme ça. Il y a eu quelques travaux, il y a eu quelques trucs. Mais en soi, ça a pas... Après moi, t'as vu que je suis tous les jours ici, ma gueule, t'as vu, ça a changé, mais sans vraiment changer. Ils ont un peu enjolivé, t'as vu. Le parc, il n'était pas comme ça avant. Le parc, de toute façon, tu vas voir. Là, on va aller au parc, là, tu vas voir. Là, c'est les colonnes. Ouais, là, t'es aux colonnes. Là, t'es dans le parc des colonnes. T'as capté, là, t'es aux colonnes. C'est quoi, c'est un autre quartier du 14e? Ouais, là, c'est t'es dans un autre quartier du 14. T'as capté, là, t'es dans un autre quartier du 14, mais toujours Pernetti-Plaisance. T'as vu, Pernetti, la station de métro, elle est juste là. Tu vois, tu descends, tu vas tout droit rue Pernetti, boum, tu coupes ici. Et voilà, là, c'est les colonnes, tu vois. Là, c'est les colonnes, le parc, comme tu peux voir. Bon, là, il n'y a pas trop de monde, avec la pluie. Ouais, t'as capté, il pleut. Comment dirais-je, là, c'est la journée. Les humains, ils sont ici le soir. T'as vu, les zombies, tu les trouves ici le soir. C'est le soir que tu trouves les zombies ici. Alors, les colonnes ici. Mon frérot, les colonnes, hein. Là, c'est des bureaux. Là, t'as beaucoup de bureaux. Les logements, ils sont là. Okay, tu vois, là, okay. Là, t'es vraiment aux colonnes. Là, t'as les colonnes, là, t'as les HLM. Et là, c'est plus des bureaux, tout ça, t'as capté. Mais voilà, là, t'es aux colonnes, mon refrain. Je te mens pas. Il y a eu des clips ici, tu m'as dit. Ouais, il y a eu des clips, il y a eu beaucoup de clips. Il y a eu énormément de clips. Le clip hashtag Paris Sud, il y a des malsains qui se sont faits ici. Il y a le clip avec Alpha One Double Dose qui s'est fait ici et dans le parc, là, à l'intérieur. J'ai même à Krapovic aussi. Mon clip à Krapovic que j'ai fait là, que j'ai fait à l'intérieur des colonnes, là. Là, c'est les colonnes, un quartier du 14. Où vraiment, là, tu vois, les colonnes, c'est vraiment... on va dire un coin de rassemblement, tu vois, où vraiment le soir tu peux trouver à peu près toutes les zones, je te dis Pernetti-Plaisance, se rejoindre ici un peu. T'as capté parce que c'est espacé, c'est vaste, c'est l'endroit où les humains ils viennent prendre leur, un petit peu leur potion, viennent fumer tranquillement. Justement, t'as fait un clip qui s'appelle Paris Sud. Ouais. Et c'est pas assez représenté selon moi, je trouve, Paris Sud. T'as vu, il y a Paris Nord, tu l'entends partout. Mais Paris Sud, il y a moins de rappeurs qui revendiquent Paris Sud. Je suis là pour ça, t'as capté, on essaye de mettre Paris Sud sur la carte, on essaye de montrer que, vas-y, tu vois, on est là aussi, dans le rap, que ça s'est rappé, que voilà, qu'il y a Paris Sud, tu vois, on essaye, tu vois. Comme c'est pas assez médiatisé, parce que peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas, peut-être pas, on n'est pas sorti au grand public, tu vois, mais on va tout faire, en tout cas, pour faire ça bien, mec, et pour mettre Paris Sud sur la carte. En dehors du 14e, tu sais, il y a le 15e et 13e, est-ce que tu t'en penses quoi du mouvement un peu là-bas? 15e, 13e, bah, ma gueule, c'est un mouvement un peu... Ça ressemble un peu à chez nous, hein, parce que tu connais quartier voisin, tu vois, où ça rappe aussi, tu vois. On a un peu les mêmes styles de vie parce que c'est Paris Sud. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est bien, tu vois. Ils font leur truc, ils sont chauds dans leur délire, c'est bien. Il faut que, de toute façon, il faut que Paris Sud, entre guillemets, ça pète parce qu'il y a des talents, t'as capté. Il y a des talents. Je suis content, moi, qu'ils font, quand il y a le 15e qui sort des trucs, 13e qui sort des trucs, c'est lourd, tu vois. Ça représente bien Paris Sud, t'as capté. Donc c'est lourd. Moi, je valide, fort. Là, carrément, bah là, t'arrives au... Là, t'es rue Vercingétorix, c'est t'arrives au Moulin de la Vierge, hein. Ouais. T'arrives, bah, en bas de chez moi. J'ai dit, quand j'étais petit, quand je suis né à Cité de l'Heure, là où on est allé tout à l'heure. Et après, avec le temps, au collège, quand j'arrive au collège, j'ai déménagé ici, là. Toujours dans le 14. T'as capté, moi, toujours Pernetti-Plaisance, 14e. Moulin de la Vierge, hein. Là, t'es à la Chaussette. T'as capté, parce que c'est un petit passage... Bon, je sais pas, on a appelé ça la Chaussette, je pense, parce que ça ressemble à une chaussette, je sais pas, tu vois. Mais ouais, là, t'as la Chaussette, hein, Moulin de la Vierge, t'as capté. En bas de chez moi, tu vois. Tu m'as dit collège ici, il n'y a qu'un collège. Ouais, mais le collège, carrément, il est derrière là-bas, tu vois. Il est rue du Cange, juste derrière là. Et c'est le collège qui relie Pernetti-Plaisance, hein, tu vois. Collège Giacometti, Alberto Giacometti, t'as capté. Et c'est là où. C'est pour ça, je t'ai dit, où tout le monde, tu vois, tout le monde s'est connu, en vrai, à peu près, tu vois. Moulin des Lapins, Cité de l'Heure, Moulin de la Vierge. C'est dans ce collège-là, t'as vu. Bon, quels clips ils ont été tournés ici? Ouais, ici, il y a trop de clips qui ont été tournés, mon frère. Ici, il y a un tas de clips qui ont été tournés, ma gueule. Ça va, mon frère? Tu vas bien? Tranquille? Okam, ça va? Ici, il y a trop de clips qui ont été tournés. J'ai clippé des freestyle malsain, j'ai clippé le feat avec Alpha One, j'ai clippé 3 fois filtré avec Dimethodo, mon Suisse sûr. J'ai clippé, j'ai fait trop de clips ici, ma gueule, je te mens pas. Malsain, des freestyle malsain, dans ce corner ici, là, t'as capté, dans ces battes-là.
Justement, donc, malsain. Voilà. Là, pourquoi malsain là. Pourquoi malsain, gros? Pourquoi malsain? KR, c'est moi. Et malsain, c'est 14e. T'as vu ici, c'est un peu. C'est une famille, tout ça, mais c'est un peu malsain, t'as capté ou pas? Et c'est pour ça que j'ai décidé malsain, tu vois. KR pour donc, revendiquer moi et malsain pour le 14e un peu, tu vois. Pour là où j'habite, tu vois, par Nétis Plaisance. Bon, même question un peu que tout à l'heure, ça a changé un peu par là ou quoi? Non, ça a pas trop changé, mais là, ils sont en train de. T'as vu, là, ils sont en train de faire des travaux, je sais pas, je crois, ils veulent changer ici un peu là. Ils veulent embellir ça un peu. Mais non, ça a pas trop changé, mon ref. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est là, tu vois. Ici, tu vois, là, c'est pareil, tu vois, le moulin, là, t'as les bas du moulin aussi, là aussi, c'est le moulin de la Vierge, ouais, t'as capté, ouais. Là-bas. Et là, tu vois, du coup, t'es plus vers Plaisance. Et le métro Plaisance, il est juste en bas, là, t'as capté, mais c'est reste Pernetti Plaisance, c'est la zone. Tu m'as parlé de Dimé aussi. Ouais, Dimé Todo. Raconte un peu la connexion, comment ça s'est fait. Plus Dimé Todo, la connexion, c'est un frère à moi, Big Sozo. On s'est rencontrés ensemble au taf, t'as vu. Il m'a présenté Dimé, tu vois. Dimé qui est son cousin, tu vois, de Suisse. Et la connexion, elle s'est faite direct, ma gueule. On s'est vu, on s'est régalé, on s'est vu au studio, le feeling, il est passé direct. Après, ma gueule, on a fait des sons, on a fait un son en particulier. Et puis voilà, ma gueule, la connexion s'est faite comme ça. Via Big Sozo, mon ref, comme jamais, ça ne bouge pas. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ensuite, on a fait son 3 fois filtré, qui est sorti dans mon projet Paris Sud, tu vois, que j'avais sorti il y a un petit moment déjà. Puis c'est le ref, hein. Dimé, hein, ça bouge pas. En parlant de projet, il y a un autre truc qui arrive aussi. Mon ref, ouais, là, j'ai sorti Corrosive volume 1 récemment. Là, il y a le volume 2 qui va arriver, là, dans pas trop longtemps, qui est quasiment fini. Puis voilà, après, on va passer sur l'album. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est quoi, c'est une mixtape alors, ça? Ouais, Corrosive volume 2, ça va être une mixtape. Ça va être une mixtape, t'as capté. 14 titres, toujours pareil, en référence au 14e, t'as capté. Ouais. Et après, on va passer sur l'album. Hein. Mais ouais, Corrosive volume 2, mixtape, qui sort très bientôt, enfin très bientôt. Qui arrive assez simplement sous peu, on va dire. Y a quoi de différent du 1, ça veut dire? De différent du 1, c'est. Bah, ça va être logiquement plus fort, t'as capté, parce que bon, plus on fait des sons, plus on s'améliore. Mais je pense que ça va être sur la même continuité, tu vois. Même couleur un peu, mais avec un niveau au-dessus. On va essayer d'envoyer ça, bien, comme il faut. Là, t'as capté, là, t'as à la pizzeria Pizzi. T'as capté, tenu par le ref là-bas, là, tu connais. Bon, là, il est en train de bosser, on va pas le déranger, t'as capté. Mais c'est la pizzeria du quartier. Hein. Les refs, ils ont ouvert ça. Ça vient manger là, tout ça. Les humains, ils viennent manger là. Ça se pose ici de temps en temps. Et puis voilà, gros big up, grosse force, parce que ma gueule, c'est pas facile d'ouvrir un commerce. Mais vas-y, hein. C'est voilà, le meilleur endroit dans le 14e pour manger. Ah, le meilleur endroit pour manger, bah t'as Pizzi, t'as le grec que je t'ai montré rue Pernetti, t'as un grec aussi pas loin, la rue d'Alésia qui est bon, t'as un. Comment ça s'appelle, putain? Le gros, comment ça s'appelle là où tu manges là? Rue Dido. Non, non, ici dans la zone, rue Dido, là on sneak à ça là. Pita. Fais ta pita. Rue Dido aussi, c'est de la frappe. Efficace, les gars. Efficace de crétin. Et puis voilà, ma gueule, hein. Voilà, après t'as. Voilà, mais après tu. Ouais, ton bonheur, tu trouves ton bonheur ici, il y a plein de trucs. En vrai, il y a tout vraiment dans le 14e. Il y a tout, il y a japonais, il y a thaïlandais, il y a grec, il y a pizza, il y a tout ce que tu veux, mon frère. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Bah là, t'es à Plaisance, hein, comme je te disais, Plaisance Pernetti. Là, t'es carrément à Plaisance. T'as capté, Ligne 13. Il y a pas mal de rappeurs à Plaisance, non? Ouais, bah ouais. Plaisance, Dido, tout ça. Ouais, fort, fort, à fond. Bah, il y a Dinor qui est vers Dido, Dinor RDT. Il y a SD, celui que t'as vu tout à l'heure. Il y a Costa, du Moulin Qualité, que t'as vu tout à l'heure. Il y a moi, il y a Dams que tu as vu aussi, qu'on a vu à Stedler. Tout ça, c'est la même chose, ma gueule. Tout ça, c'est la même. C'est pareil. Après, il y en a, tu vois, il y en a, j'en passe, t'as vu quasiment, mais. Ouais, il y en a trop, laisse tomber. Il y en a trop. Il y a un frérot aussi que je voulais présenter qui habite à Port-de-Vanves, mais qui a pas pu être là, tu vois, il est pas là aujourd'hui, c'est 88 Cali. Il rappe, tout ça, c'est un mec de Port-de-Vanves, tout ça, il rappe, il fait ses trucs, tout ça, il est chaud. Il y a Cali Dinero aussi, ouais, Cali Dinero, Big Cali Dinero, qui a pas pu être là aussi. Tu vois, c'est un rappeur de Pernetti Plaisance aussi, c'est mon gars. Il rappe aussi, il est dedans comme jamais, il a sorti son projet. Là, il va renvoyer un autre projet, Cali Dinero sur YouTube. Et ça bouge pas, ma gueule. C'est la famille, tout ça. Là, ma gueule, tu connais, on arrive à Bardiner, hein, là où on est. Hein. On va pas filmer les humains, là, parce que tu connais, les humains, ils sont un peu... On va dire, ils sont un peu, hein. Là, tu connais, mais c'est, on est là, tu vois. Là, c'est Bardiner. On est posé là, t'es à côté de la cité Dido, t'es rue Bardinet, j'ai fait des clips ici, j'ai fait beaucoup de clips, j'ai fait sortir les guitares, j'ai fait des freestyles ici, et puis voilà, là t'es rue Bardinet, t'es dans la zone, c'est là où je viens prendre mon petit café le matin, tout bien, tranquillement, et voilà, on est là. C'est comment le train de vie d'un mec du 14e? Le train de vie d'un mec du 14e, ma gueule, je pense que il vient, il prend son café le matin, il voit un peu les gens du matin, parce qu'il y a les gens du matin, il y a les gens du soir, t'as capté ou pas?
C'est-à-dire là, tu viens, tu prends ton petit café, tu fumes ton petit, t'es bien, t'es posé, tu vas au café, tout bien. Après, tu repars chez toi un peu pour te ressourcer. Après, le soir, tu ressors, tu vois les humains. J'ai envie de te dire un train de vie normal, hein, basique pour un mec entre guillemets de quartier, tu vois. Et puis là, tu vas voir, là, tu vois, il y a un frérot là qui va venir, là, il va se présenter là. Qui va se présenter. Ouais, c'est Maliki. Maliki, Big Maliki. Le Big Maliki qui est là, tu vois. Le grand frère de la zone, tu vois, un grand frère de la zone que je connais depuis tout petit, tu vois. Un des précurseurs aussi du CEPI, c'est l'association qu'on t'a parlé. Qui faisait enregistrer les jeunes, qui donnait des opportunités aux jeunes de rapper, de faire plein de trucs, tu vois, d'aller chercher du travail, de s'insérer dans la vie active, de plein de choses, tu vois, qui nous ont ouvert des portes à tous. Et voilà, Maliki va se présenter de toute façon, tu connais. Hein. Ouais, bah moi c'est Malik, Nicky Boys, Bah moi, ouais, j'ai commencé au CP, avec tous les garçons que tu as confirmé. J'étais déjà. Moi, c'était plus la génération du 90, c'est-à-dire avec les Bouba, les Bala, il y avait Sambala qui était plus grand, c'est-à-dire que nous, c'est le but c'était de faire du sort parce que tout le monde, tous ceux qu'on accueillait, en fait, puissent faire ce qu'ils voulaient, tu vois. Les accompagner dans leur projet, dans ce qu'ils voulaient faire, que ce soit artistiquement parlant, que ce soit des projets, que ce soit diverses choses, en fait. Nous, on les accompagnait de sorte à ce qu'ils aillent au bout de leur projet. Et de sorte à ce qu'ils s'épanouissent tout simplement. En fait. Donc, fort. Voilà. Donc nous, c'était ça notre objectif. On a ouvert le CEPIG. Enfin, le CEPIG était ouvert. On a travaillé avec Olivier qui nous a recrutés. Olivier, a big Olivier. Gros big up. Ouais, gros big up. Il nous a soutenus dans pas mal de projets en interne dans notre quartier. Hein. Heureusement qu'il y avait le CEPIG. Avec Amazir aussi. Hein. Amazir, il était présent. Grosse case dédiée à Amazir, très important aussi pour... Moi personnellement dans ma vie en tant que rappeur de jeunes du 14e, très important je pense pour Malik aussi, pour beaucoup de gens du 14e qui a très grande vision des choses, de l'artistique et qui nous a permis de s'épanouir dans ce qu'on voulait faire en tout cas. C'est ça, grosso modo. Et donc moi comme je te disais, Olivier le Duc nous a permis de nous réunir en fait dans un lieu qui s'appelle CEPIG, où si tu veux, le but c'était quand il nous a recrutés nous. C'était de rassembler vraiment, le but c'était de rassembler toutes les personnes du 14, c'est-à-dire tous les artistes, et de faire de sorte à unir le mouvement en fait. Et tout un engouement, c'est-à-dire que KR il a contribué, il était déterminé dans ce qu'il voulait faire, qu'on s'appelle au gym, là, tout le monde. Franchement tout le monde. Et franchement, les Alpha One aussi avant, un 995 qui venait souvent aussi au CEPIG. C'est ça, ça veut dire tout ça, ça crée un engouement, une force. Où chacun en fait pouvait aisément donner son tout ce qu'il avait en fait tout simplement. Et KR il était parti, il était déterminé. Il en est où il en est aujourd'hui. Big respect, et, Malik, big respect. Big respect à ce qu'il fait. Il représente le chase comme never. Tu régales. C'est tout ce qu'on demande. Tu régales Malik, teinture. Ah bon. Ok, la dernière question, celle-là c'est la même à chaque fois dans chaque vidéo. Dis-moi mon frère. Ça se trouve, je connais déjà la réponse en plus. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Tu me poses cette question à moi. Paris Saint-Germain, mon frère. Ouais, le PSG, ma gueule, logique. On est né à Paris, on habite à Paris, on est pour Paris. Ah ouais, tu connais, il y a des gens de Paris, ils sont pour Marseille, moi je les comprends pas. Mais vas-y, tranquille, je les laisse. Non, Paris Saint-Germain, fort, mon frérot, fort. Paris, à fond. Si on est des Parisiens. À fond, à fond. Paris Sud, surtout. Et il y a plein de choses qui se passent, de toute façon, vous allez voir. Hein. Je vous invite à aller checker tout ce qui léger. Se passe. Et surtout ce qui se passe avec mon frelon. Tu régales, Maliki, tu régales. Voilà. C'est comme ça que ça se passe ici, c'est le 14e, on accueille tout le monde, on est là en quartier, on se prend pas la tête à capter, on est là, on marche avec les gens, ceux qui ont de l'ambition, ceux qui ont des projets, c'est on ça. Marche ensemble, on se prend pas la tête. Kair, voilà. T'es réseaux aussi conçu. Kair Malsain hein, partout mon frérot, Kair Malsain Insta, Kair Malsain Snap, Kair Malsain tout, hein. Surtout hein, YouTube, Kair Malsain, partout Kair Malsain mon frérot. Carrière malsain. Tout est bon, frérot. Merci beaucoup. Merci à toi, Gab. Tu régales. Merci, mon frère. Merci. Merci. Surtout pour l'implication, pour l'invitation. Et ça bouge pas. On est ensemble comme jamais, Gab. On est ensemble. Franchement, c'est lourd. On est ensemble comme jamais. On est ensemble.